Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, hola Chico el Chiquitas. Bienvenue aujourd'hui au grand... Oui, il faut le dire dans toutes les langues. Quelle langue? C'est quand même un événement international. Oui, bienvenue aujourd'hui au grand tournoi de scrap mécanique. Le grand tournoi des abonnés, les mecs. Premier combat, Jack contre Discovery dans l'arène, s'il vous plaît. Tiens, je vais me mettre à côté de la veine vénère. Voilà, on est bien là. Et on est pas mal ici. On a le ho 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 contre. Ah, moi j'hésite MDR. Ah bah écoute, hein. On l'appellera la poubelle mobile. C'est un volante. Très bon nom. La poubelle mobile MDR. Non mais je rigolais, Discovery. La poubelle mobile. Bon, que le combat commence, les mecs. Allez, Jack attaque. Jack attaque déjà. Oh, Jack fonce. Jack fonce. Oula, 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 oula. Ça commence très mal. Jack, on dirait qu'il s'est heurté à un mur, mon gars. Discovery, Discovery, ah, c'est sorti de l'arène. Discovery. Il y a une grand-mère qui a volé avec une tentative d'explosion. Malheureusement, ouais, ça a échoué. Malheureusement. Oh, ouais, c'est, alors, c'est passé. On a Jack qui s'est coincé. Faut pas sortir de l'arène. La fille, l'arbitre intervient. Chacun de son côté. Stop, les mecs. Sortie de l'arène, les mecs. C'est une élimination. Attention, c'est reparti. Le ho-ho-ho contre la poubelle mobile. Jack attaque. Jack attaque. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouh, ça s'attaque. Ça s'attaque dur. Il est sur une roue. Ça. Jack est sur une roue. La poubelle mobile. Poubelle mobile qui refait surface. Il attaque. Il tire. Joli patateur. Oh là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Luffy? Oh, Luffy, t'as volé. D'accord. Attention. Jack attaque. Jack attaque. Aïe, 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 aïe. Ah, ce combat, il est... Il est dur. Il y a du mal. Il y a du mal. Il y a du mal. Il y a... Oh, Discovery. Oh, Jack. Oh, oh, oh. Ah ben voilà. Oh, la poubelle mobile. on a une victoire, ouais. Victoire de la poubelle mobile. De Discovery. Victoire de Discovery, Jack. Jack, t'as volé en miettes. Eh ben tu vois, Discovery, ne jamais, mon gars, ne jamais se sous-estimer. Voilà, avec son petit dé rose là comme Discovery. Il est magnifique. C'est... Première victoire, Discovery. Jack, t'inquiète, il y aura les repêchages. Voilà, tu es sur les sièges rouges. Oui, bien sûr. Discovery, voilà. Tu peux aller t'installer sur un siège vert. Prochain combat, Gab contre Matt dans l'arène, les mecs. Et que le sort vous soit favorable. Gab contre Matissou. Le soulèvement contre... Bah, j'ai pas d'idée. Ah, c'est parti, Gab attaque. Gab... Oh, wow. Y a eu... J'ai pas compris. Ça a été très vite. Ça a été très très vite, les mecs. Une seconde. Bon, bah, victoire écrasante de Gab. Hein. Voilà. C'est dommage. Hey, Mathis, on a pas. Franchement, les mecs, bah, c'est pas grave. Tu seras dans les repêchés, Mathis, de toute façon. Viens sur les sièges rouges. On a pas vu ce qu'il donnait, Matt. On a rien vu. T'inquiète, t'es dans les repêchés, Matt. Prochain combat. La veine vénère contre Skillian. Sur le terrain, les mecs. La grand-mère tueuse pour Skillian. Et la peau pour la vénère. Que le combat commence. Aïe, oh là là, aïe, aïe, là là aïe, là aïe, là. Aïe. Alors, on a un frottement qui est... on a eu un affrontement. Ouh, la vénère, mon gars, il a des... Ça tire. Hein, la grand-mère tueuse, elle s'accroche, elle est là. Elle suit derrière. Ouais. Elle suit à l'attaque, la grand-mère tueuse attaque. Elle a... Oh, putain. Oh, il y a eu un saut, là. Ouais, il y a eu un saut. Elle a activé ses réacteurs.
La grand-mère tueuse, qui tourne. La vénère qui attaque, La grand-mère tueuse. Quand il y a contact, on sent que ça frappe. Hein. Ah, on sent que ça frappe. Quand il y a contact, mon gars. Ah ouais, là c'est on dirait un rugby. Ah, La grand-mère sur le terrain, elle tourne, La vénère, mon gars, ça tire mais dans tous les sens. Ah, la grand-mère, contre-attaque. Ouh, la vénère qui a sorti les scies. Oh, la grand-mère tueuse qui a explosé. Je crois que c'était un coup de scie. Ah là 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 là. Je crois là que c'était là un coup de scie. Skylian, sur le siège des défaites, mais tu vas être dans l'air pêché. Knar, Fena et Lou, prochain combat les mecs. La mamie mitraillette contre le Patator 2000. Que le combat commence les mecs. C'est parti. Oula. Oh, déjà en difficulté la mamie mitraillette, j'ai l'impression. La mamie mitraillette déjà en difficulté. Elle tourne pas la mamie mitraillette. Si. Ah si si si, elle tourne. Autant si, pour si, moi. Elle tourne, elle tourne. Ouais. Nailouk attaque. Nailouk attaque. Oh, Nailouk a fait un face plant dans le mur. Alors, ouais, on a un lift qui a été laissé. Faites attention, esquivez-le. Ouais, ouais, ouais. On a un lift qui a été laissé sur sur l'arène. Ouknarbin. Oh, la mamitraillette qui fait un tout droit dans le mur. Oh, Nailouk qui lance des bombes. C'est quoi ça? Il lance des bombes. Non, c'est un moteur qui a été lancé. C'est un moteur. Il y a quelqu'un qui a perdu. Ah, attention, Nailouk. Ah. Nailouk a perdu un moteur. Le Patator 2000 qui a perdu un moteur, les mecs. Le Patator 2000 qui attaque. La mamitraillette qui esquive. Ah, oh, la mamitraillette qui part en wheeling. Ça part en wheeling. Nailouk qui contre-attaque. La mamitraillette coincée là-bas dans le mur. Ouais, j'ai l'impression que la mamitraillette elle est un peu. Oh là 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 là. Oh la mamitraillette, les mecs. Ah, t'as été désintégré. Victoire écrasante du Patator 2000, les mecs. Ouais. Repêchage, Jack contre Matt. Matt, look-toi pas cette fois parce qu'on a rien vu de ton véhicule tout à l'heure. Hein. Ça a duré une seconde. Loupe-toi pas, Matt, cette fois. Donc, on va attendre que Matt se prépare parce qu'apparemment, il a de la préparation. Loupe-toi pas cette fois. Attendez, les mecs, on a un problème technique. On va essayer de régler ça, là. Comment ça, t'as pas les connectiques? Bah, on peut faire le deuxième. Le temps qu'il règle ça, on peut faire le deuxième repêchage. Knarf contre Skylian au repêchage. La mamie tueuse contre la mamie traillette. Que le combat commence, les mecs. La mamie traillette qui attaque dur. La mamie tueuse qui fonce. Oh, la mamie tueuse. Très contrôlable, la mamie tueuse. Hein. Oh, la mamie tueuse qui fonce. La mamie tueuse. La mamitraillette en difficulté. Grande difficulté, la mamitraillette. Mais elle riposte. Elle riposte, elle est encore là. Oh, la mamitraillette. Grande difficulté, très grande difficulté. Oh oui, 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 je crois qu'il y a une roue qui a été... Oui, non, oui. Il y a deux roues. Attention. Oh oui, regarde-moi ça. Ah, la mamitraillette. La mamitueuse qui est en difficulté cette fois-ci. Ouais, 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 clairement. Pourtant, c'est pas lui qui a perdu. Ouh, attention. Skylian qui abandonne son véhicule. Mamitueuse, on a l'impression qu'elle est coincée. La mamitueuse qui fonce, la mamitueuse qui fonce. La mamitraillette en difficulté, elle a encore perdu une roue. La mamitraillette en difficulté. Elle se traîne les fesses au sol. La mamitraillette qui se traîne les fesses au sol. Mais elle continue de rouler, elle est encore là, mon gars. Elle est encore là. Clairement, ouais, ouais, ouais. Ah, oh, la mamitraillette. Oh, la mamitraillette. Là, il y a un avantage d'un côté, un avantage. Là. T'as plus qu'à finir le boulot, la mamitueuse. La mamitueuse, il n'y a plus qu'à finir le boulot. Il a décroché sa grand-mère. La mamitraillette qui a décroché sa grand-mère. Je sais pas si c'est une attaque légite, mais ça compte. Ah, oh, ça fume. Oh, ça pète. Oh, ça pète. Grande victoire de la mamitueuse. Prochain combat de repêchage. Jack, j'ai plus mon véhicule. Bah, qu'est-ce que t'as fait avec ton véhicule, Jack? Ah, me dis pas qu'il l'a supprimé. J'ai fait une bêtise, chef. Mais non. Ah, il l'a supprimé. Oh, il l'a supprimé. Ah là 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 là. Oh là là. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Est-ce que j'ai un véhicule de prêt On a peut-être un véhicule de prêt pour toi, Jack. Ah, on aurait pu dire victoire par forfait, c'est vrai. Mais bon, on peut peut-être avoir un petit véhicule de prêt quand même. Je peux peut-être utiliser un de mes véhicules personnels pour. Ouais, pour alors lui. Attention, pas trop scientifique non plus. C'est quoi ça? Non, 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 non. Non, on va voir le mortier si vous voulez. On peut mettre le mortier si tu veux. Non, le mortier, non, 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 tu peux Jack, utiliser. C'est quoi ça? On peut lui donner le mortier. Jack, tu peux utiliser le mortier si tu veux. Attends, en gros, il part clairement avec un désavantage, Matt. Non, non. Mais non, mais Jack, le problème, c'est que Jack, c'est un véhicule à deux personnes. Donc il y a une partie qu'il va pas pouvoir contrôler. Bon, écoutez, alors ce que je vais faire. Sinon, j'ai le lance-torpille. Ce que je vais faire. Attends, attends, maintenant, Jack, mais non, mais pas maintenant. Il a déjà utilisé l'arme secrète. Il a déjà utilisé l'arme secrète.
Non, non, remets le mortier. Je vais me mettre en immersion pour le prochain combat. Alors que je sais moins. Jack, il a eu un véhicule de près. Il a eu le mortier quand même, hein, Jack. Hein. Tu t'en sors bien, Jack. Hein. Tu t'en sors bien. Fais gaffe. Hein. Pas tout de suite, Jack. On n'est pas prêt. Hein. Prochain combat en immersion. Le soulèvement contre le mortier. Que le combat commence ouais, à c'est les, Matt. Les mêmes touches. Montre-lui un peu c'est quoi le soulèvement. Vas-y, Matt. Non, Matt, t'es mal barré. Allez, je suis en immersion, là, déconne pas. Vas-y, Matt, montre-lui un peu. Montre-lui, soulève-le. Si tu le sors du ring, si t'arrives à le sortir du ring, il est fini, mon gars. Ah, le oh soulèvement là 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 qui attaque, là. Le soulèvement qui attaque. Oh, le soulèvement. Oh, yo. Oh, il a lâché. Il a lâché la partie du véhicule arrière. Oh, putain, j'étais éjecté. Mais les deux sont encore là, hein. J'ai été éjecté. Les deux sont encore là. Les deux sont encore là. Le mortier est là. Le soulèvement est là. Oh là, oh là, on a. Ouh, ah, le oui, soulèvement. Malheureusement, le soulèvement, mortier. Tu le mortier. Eh, j'aurais donné le mortier vainqueur, moi. J'aurais donné le mortier mais non, vainqueur. Mais le problème, c'est que le mortier, sa gatling, c'est une tourelle. Et la tourelle, elle est difficile à contrôler. Parce que là, j'ai remis sur le premier. Il faut une deuxième personne, normalement. Si, normalement il a toutes les bombes le mortier, c'est juste qu'elles sont cachées en dessous sous du carton. Mauvaise posture le mortier, très mauvaise posture. Ah quoi qu'attends. Il y a encore deux bombes là. Ah oui non il y a encore deux bombes, ouais ouais. Il y a encore deux bombes, il y a encore deux bombes le soulèvement. Oh là, oh là, oh. Oh le soulèvement il a perdu un bout de réacteur, un bout de moteur. Bah il y avait celle de l'arrière, si il y en a, ah oh, bah voilà, c'est bon. Ah il reste au centre du véhicule. Il reste encore une bombe sur le mortier au centre du véhicule. Bon après, là, je pense que c'est fini parce que de toute manière, voilà. Jack n'a plus d'armes. Donc, je pense que c'est fini. Là, ça va être compliqué. Ouais, là. Clairement. Ouais, le soulèvement qui arrive, le soulèvement qui prend le mortier. Ah, c'est fini. C'est fini ouais, pour c'est le mortier. Fini, c'est fini pour désolé, le mortier. Désolé, Jack, mon mortier n'aura ouais. pas, ne t'aura pas aidé. Et pourtant, t'avais une pépite entre les mains. Putain. Celle-là comptera pas parce que il était déjà winner. Discovery contre Garde Atomique. Si vous êtes prêts les mecs, que le combat commence. Oh là, oh la mamie tueuse. Non, non, c'est pas non, c'est la poubelle chez... Oh, oh, oh. On a Gab qui a explosé, ah, on n'a rien qui vu. A explosé, voilà. Par la poubelle mobile, je cherchais le nom du véhicule, le temps que je cherche le nom du véhicule, la poubelle alors mobile. Alors là, j'ai pas compris, j'ai rien vu. Ah, j'ai rien vu. J'ai rien vu non plus. Oh, donc tiens, on a Discovery qui gagne. Une grand-mère qui passe au-dessus du ring. Bah, Discovery, GG. La veine vénère contre Nel. La poubelle mobile qui va finir par gagner. La poubelle mobile qui va finir par gagner. Mais tu sais, ça c'est déjà vu. On a déjà vu des poubelles mobiles gagner. Allez, quand vous voulez, les mecs, que le combat commence, la veine vénère contre Nel. Oh là là là. Oh, la Vénère, il attaque, ça il attaque, arrive. La Vénère attaque, oh, oh, et ça a été un franc succès pour oh, la Veine Vénère. Ça a été un franc succès, mon gars, ouais. Là, il y a pas à ah, dire, la vache. Là. Bon, bah, c'est radical, hein. Match de repêchage des vainqueurs, c'est Gab Naelou. Gab Naelou, est-ce que vous êtes prêts, les mecs? Que le combat commence. C'est parti. Ouais, Naelou qui reste sur place. Oh, oh, oh la vache, mon gars. Oh, wow, bah ça a pas duré ah, longtemps bah, voilà. Gab hein. Eh bah Gab, bah, Gab. Voilà Gab. Voilà Gab. T'as Naelou, bien Naelou hein. Prochain combat, Matt et Skillian. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh bah en wheeling ça oh, passe. En wheeling, en wheeling. Mais ça passe. Il nous fait un wheeling là. Ça passe. Que le combat commence les mecs. Allez c'est parti. La mamitueuse qui attaque, la mamitueuse. Matt qui fuit. Ouh là là. On a eu un drift de la part ouais, de Matt. Oula, 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 oula. Le soulèvement qui a un peu bégayé, tu vois, il voilà, il s'est retrouvé un peu. Ouh là là, oui, ça. Ah, ça, ça fait mal là. Ah, il y a une petite lagouille ouais. Des fois, il y a une petite lagouille, ça peut arriver, ouais. Le soulèvement qui attaque. Le soulèvement qui attaque. On l'a vu retourner bien des situations, le soulèvement. Oh là, il tout soulève. Tout à fait, tout à fait. Oh, il soulève la mamitueuse. Il la soulève. Attention, si elle sort du ring, ah. C'est fini. Oui, s'il la sort, si il a gagné. Ring, c'est fini. Oh, oh là 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 là. Alors les deux véhicules ont pété. Les deux véhicules ont pété. Du coup là, je suis un peu embêté pour le classement. Ah, un peu embêté là. Ouais. Bah écoute, ils auront la même place. Hein. Matt a pété en dernier. Ah bon? C'est sûr ça. Matt gagne. Soka nous dit que c'est Skillian qui a pété. Skillian en premier. Skillian qui a pété en premier. Bon écoute, on fait confiance au chat les mecs. Hein. Voilà. Apparemment Jean Jamy a clippé. Jean Jamy a clippé apparemment. Matt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut envoyer le lien du clip les mecs dans le chat? Ah. Ah.
Ah oui, effectivement, effectivement, c'est bien Skillian qui a pété en premier. A pété juste après Skillian. Ah oui, les clips ne mentent pas. Skillian, désolé, GG quand même. GG quand même. Jack et Knorf, vous êtes prêts les mecs? Alors vous jouez du coup pour la 7ème et 8ème place. C'est bon Jack? Ah oui, c'est vrai que Jack n'a plus de véhicule. Eh oui, il faut lui donner le mortier. Est-ce que je lui redonne le mortier ou est-ce qu'on lui en donne un qui sera plus facile peut-être? Qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai le frelon du désespoir. Mais le frelon du désespoir, c'est un 3 personnes, ça va être compliqué. Le frelon du désespoir. Rien que le nom, mon gars, ça envoie du lourd déjà. On peut mettre le lancier, c'est un lance-torpille. Attention là-bas, attention Knarvin, je le connais bien le lancier. Attention à toi. Parce que quand il part, il part. On va lui donner le lancier. Lancier. Alors, par contre, le lancier, il a des bombes à nu. Par contre, Jack, le lancier vise bien. Un conseil, vise bien et loupe-toi pas. Mais si tu vises bien, oui, tu peux le désintégrer. Mais tire suffisamment près que voilà. Tu peux le désintégrer en une fois et qu'arrête, pas maintenant. Ah, il voulait tester. Ah ben non. Tu vas te vider de tes munitions. Voilà, c'est quoi le lancier? Voilà. Voilà. Est-ce c'est, que t'es digne, t'as que, est-ce t'as que t'es digne les, de jouer les... avec le lancier au moins? Est-ce que t'en es digne, Jack? Voilà. Ah, attends, je te rajoute pas digne les bombes pour quand le lancier. Hein. Non, et non, voilà, c'est mec, bon. Arrêtez avec les grands-mères. C'est qu'elle relance une grand-mère encore. Elle est partie. Attends, j'arrive, Luffy. Jack, attention, faut bien viser. Sois prêt. Il te reste un lanceur. On a une torpille. On est parti. Attention. Attention. Attention, il a plus qu'une torpille. Il te reste et une après... torpille, Jack. Une torpille. Oh, la torpille est partie. Oh oui. Non, malheureusement. C'était la dernière torpille, malheureusement. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Là, il ne va pouvoir que mourir. Ah, et il est mort. Aïe, malheureusement. Ouais. GG, Knarf. La finale, ça va être Discovery et la veine vénère. Eh, hey, tu vois Discovery, la poubelle mobile. Hein. On n'en disait rien au début. La poubelle mobile contre la veine vénère. La veine vénère, attention, elle fait des ravages. Hein. Mais la poubelle mobile a déjà retourné bien des situations. La poubelle mobile contre le pot. C'est parti, que le combat commence. Que la grande finale commence. Attention, la poubelle mobile, elle a retourné déjà bien des situations. Oui, tout à fait. Oh, la veine vénère attaque dure. La veine vénère est très mobile. Hein. Elle est très mobile comparée à la poubelle mobile qui est un peu lourde, justement. Ah, la poubelle mobile qui fait. Ok, avant, qui gratte arrière. Le... qui voilà, gratte le mur. Elle gratte le mur. Elle gratte le mur, la poubelle mobile. La veine vénère qui attaque. Oh. Oh lolololololo. Oh, Discovery qui malheureusement a implosé. Je crois qu'il n'y a pas photo. La grande finale est remportée par la veine vénère. Tu voilà. peux te mettre sur le podium. Nickel. Très belle photo. Bravo à tous les participants. Très belle photo de fin. Bravo à tous les participants. Donc nous avons la veine vénère premier, deuxième Discovery, troisième Nailou, quatrième nous avons Gab, cinquième nous avons Matt, sixième donc Skillian, septième Knarf, en dernier, huitième c'est Jack. Eh bah Jack, ouais. Malheureusement Jack. Malheureusement. Jack, tu te rattraperas Jack, malheureusement. Bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde, bravo à tous les participants. Eh franchement, elle déchire la grue à Matt. Hein. Elle est bien ta grue Matt. Hein.